Salut à tous, c'est Mato. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de Far Cry 5. Alors, je l'ai acheté hier, je vous fais la vidéo tout de suite. Allez, go! On le découvre. C'est la première fois que je lance, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Donc, on va voir ce que ça donne. On m'a dit qu'il était pas mal. Donc, on va regarder ça. On va découvrir le jeu ensemble. Donc, je laisse les chargements, je laisse en détail tout. Comme ça, on a vraiment le. La même chose tous ensemble. Ça charge. Ok. Voilà. Ok, on lit tout ça. Ok. D'accord. Qu'est-ce que ça va donner? Désolé d'avance pour les travaux, donc on lit ensemble. En tout cas, on se croirait vraiment dans la pièce. Ubisoft. Ubisoft. Le véhicule, il est trop bien fait. Déjà graphiquement, ça envoie du lourd. Allez, commencez. Paramétrage du profil. Donc je vous dis, je lance en même temps que vous. Je vous laisse la vidéo complète. S'il faut, je la couperai en deux parties. Mais je vous laisse au moins faire une mission ensemble. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Hein. Je suppose que c'est des missions. Voilà. Ceux qui veulent, mon PSN vient d'être affiché. Bah moi je prends le bonhomme. Confirmé. Je prends le monsieur, parce que je suis un monsieur. Éviter les attaques. Et R1. Bon, ok. De rien, de rien. Ok. Donc je vous laisse tout, hein. Comme ça on découvre tout ensemble. Je ferai pas de montage. Enfin, je ferai pas un gros montage dessus. Comme ça on voit tout. Vous pouvez équiper et utiliser toutes les armes en parachute ou à bord d'un véhicule. Ok. Gilet par. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Le gilet pare-balles, mais j'ai pas eu le temps de lire la suite. Récompense récupérée. D'accord. Bon, on écoute. Ah, j'ai un écho. Je vais baisser le son de ma télé. Voilà. Ça va être mieux là. Il y aura moins d'écho. J'ai toujours vu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, c'est bonjour à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants. C'était une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Bon, le bruit, c'est mon chat derrière. Ce genre de groupe existe. Les gens ont peur. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui? Leur leader? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Oh. Il a broyé ses yeux. Service lost. Tu perds ton temps, il n'y a pas de réseau ici.
Ouais, ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Brat, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît? C'est fait. White Horse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Rat! Les tarés, c'est une trouvaille à vous? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils sont débarqués gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif? On y est. C'est juste en dessous de nous. Dernière chance, Marshal. Allez, c'est parti. Pose-nous. Pratt, bien compris. Allez, on est posé. Ok, désolé pour les travaux encore une fois, je suis en travaux et je suis en plein après-midi là. C'est toi qui parle, personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Compris? C'est compris? Oui, patron. Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Alors, équipez-vous de votre... nouvelle arme dans n'importe quelle boutique. Ok, donc là c'est comme dans GTA. Ok, pour accéder à votre nouveau contenu, libérer l'île de Jetch et installer le jeu entièrement. Pourquoi je l'ai pas installé entièrement? Comme ton chien, je vais le défoncer sinon. Je suis arrivé au point. Fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi.
Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Non! Non, non, non! Voilà, menotté! Ok, on avance. Ouvrez. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. On va à droite. Chut dessus. On vous laissera pas. Amenez le chef de la secte à l'hélico. Reste sur la voie, petit. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe. Oh, ça tire, ça tire. Oula, c'est dangereux ça. Donne-lui un coup de pompe, voilà. Voilà, oh là 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 là. C'est dangereux, c'est dangereux. On va se cracher, et on s'est craché. C'est tout flou. Oui, je te réponds, 2 minutes. Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. On y perd.
foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Je vais me sauver moi-même, frère. Je dois le dire, moi. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse se feront la vérité. Que la récolte commence! On est dans le caca. Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici. Il brûle. Oh là là, on va mourir. Allez, 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 enlève la ceinture. On court. Je cours. Moi, je cours. Allez, allez, on s'arrête pas. J'ai plus d'armes. La jauge de détection se remplit quand les ennemis peuvent vous voir. Lorsqu'elle est remplie et clignote, vous êtes repéré. Une fois assez près d'un ennemi sans avoir été détecté, appuyez sur R3 pour effectuer une exécution discrète. Ok. Mais je peux pas. Je me casse du monde là-bas. Allô ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allô ? C'est vert. Allô ? Je crois que je les ai fait. Tu vois, un mobile homme. Va le voir. Près d'un pont assez long. Ok, il fallait là-bas. Allez, allez, on rejoint. Voilà, on a rejoint le mobile homme. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial, mais j'aime bien quand même. Sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Ah, une arme, une SCAR. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. Ok. On va la prendre. Ouais. On va monter vers le nord-est. Ouais. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste. Ok. Chut. On se fait tirer dessus.
que je dois faire, moi. Je sais pas où ils sont, je les vois même pas. Ah, là-bas. Comment on fait pour passer là? Oh, je vais mourir, je le sens. Oh, je vous bute tous, moi. Ah, mais tu n'as plus de balles. J'ai déjà plus de balles. Je te couvre avec mes pieds. Allez, monte. Allez, roule. Mais j'ai plus de balles. Ah si, j'ai des balles. J'ai pas tout compris, mais j'ai réussi, quoi. Quoi ça? Oh non, ils ont barré les routes. Dur à viser quand même. Voilà. Que ça me quitte. Je bute le chauffeur là. Ah, je veux bien. Je veux bien les faire sauter, mais j'arrive pas à le viser. Un avion. Ah, j'ai presque plus de vie déjà. Attends que ça revient. Plus que deux balles. J'ai tué la vache. Allez. Voilà, faut tuer le chauffeur, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. On va tous vous crever, nous, je vous le dis. Allez. Aïe! Wow, faut sauter! On est en train de couler! Ça va, on n'est pas mort, on a survécu. On a eu chaud quand même. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Tout
tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Et c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te lire. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Ok. Changer de vêtements. C'est où? C'est là. Change de vêtements. Veuillez effectuer quelques choix de personnages avant de le personnaliser. Ok. C'est plus celui-là qui me ressemble, je crois. Non, plus celui-là. Là. Regarde les coupes de cheveux. L'Iroquois. Que celle-là, je pense, hein, comme ça. Comme ça, ok. Confirmé. Haut du corps. J'aime pas trop les chemises, moi. On va mettre ça. Pas du corps. Celui-là. Une simple. Gants. Est-ce qu'on met des gants? Ça, c'est bien, ça. Non, celui-là. Confirmé. Voilà. On va aller lui parler. T'es prêt à bosser? Oui, je suis prêt à bosser. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. L'info sortira pas avant qu'il soit trop tard.
Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Là, on a pris. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Là, si je fais star, ça fait quoi? Je peux prendre. Mon téléphone a vibré. Attendez, je réponds. Marie, c'est important. Jérôme, qu'est-ce qui se passe? À vous. C'est le bunker. Alors, je vois rien ici. Je suis même pas volé la sortie. Voilà. On quitte. On a quitté le bunker. Alors, il est où, carré? Là, interagir. Y'a personne. Bon, écoute, si tu veux organiser la résistance, il y a 2-3 trucs que tu dois savoir. T'as 4 façons de procéder. D'abord, tu peux libérer des otages de la secte. C'est des gens bien qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les... D'accord. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, ils ont construit 2 saloperies d'hôtels. Troisièmement, tu peux rendre service à la résistance. Il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Ok. Ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Et pour finir, si t'es d'humeur à te bagarrer, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a installés dans la région. Si ok. Si tu te libères, la résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. D'accord, ok. J'ai des caméras partout sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. D'accord. Et en aide aux habitants dans le besoin. D'accord. Je vais un truc par terre prendre. Là. Moutarde. Faut aller dans le sud, mais j'ai même pas de GPS. Quoi ça? Quoi que j'ai jeté? Ah, oh, c'est un caillou! Vers le sud. Il est où le sud? Bon. Moi, je vous dis. Je vais revenir pour une prochaine vidéo. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. A tout à l'heure. Ciao, ciao!